Journal de bord du capitaine Guybrush Threepwood. Perdu en mer depuis des jours, je n'ai ni équipage, ni instrument de navigation, ni provisions à part un hot dog à demi entamé. Si je ne trouve pas d'eau très vite, je vais sûrement y rester. Seul l'espoir de retrouver mon amour Hélène me pousse à continuer. Seule ma quête vers ce fabuleux trésor appelé le Big Whoop m'a mis dans cet état pitoyable. Je croyais que le trésor m'apporterait la gloire. Au lieu de ça, il m'a poussé dans les griffes de mon ennemi le Chuck, le pirate zombie. Il intriguait pour épouser Hélène. J'ai inventé le complot. Il a cherché à se venger. Ça y est, j'ai très très soif. Si seulement je pouvais mettre le grappin sur un peu d'eau fraîche, je trouverais la force de naviguer. Ah, mais je sais qu'il n'y a que l'océan à perte de vue. Si je pouvais toucher terre, je trouverais de l'eau et de la nourriture. Des fruits peut-être. De quoi combattre le scorbut et retrouver mes forces. Pourquoi pas des bananes? Ah, pourquoi je me torture à ce point? Ah, je ferais aussi bien de rêver d'un poulet arrosé d'un bon grog. Ce serait aussi insensé. Ah, ma tendre Hélène. Suis-je voué à mourir de faim sur cet océan sans revoir ton doux visage encore une fois? Se peut-il... Faudra-t-il te le répéter, le Chuck? Je reste insensible à tes arguments. Hélène? Par mon sang congelé, tu en viendras, mémé. Navigue à mes côtés, je ferai de toi la reine des morts. Navré, ce soir, je m'occupe de mon shampoing. Maudit soit ton shampoing, femme! Ne vois-tu pas se languir cette vieille dépouille salée? J'enrage de ne pouvoir te couvrir de tendres caresses.
Honnêtement, je crois que mon père n'apprécierait pas que je sorte avec un mort-vivant. Dans le genre zombie, tu es sûrement un type trop bien pour moi. Restons bons amis, je préfère. Sois réaliste, LeChuck. Tu n'es qu'un monstre, à la laine fétide, aux penchants sadiques et au mauvais fond. Et ça n'est pas du tout le genre de rapports sentimentaux que je recherche actuellement. Maudite soit tes charades, petite impertinente. Que veux-tu dire? Ah! Oh! Tu es un monstre sanguinaire. Tu m'as déjà enlevé, tu as soumis mes amis à la torture et tu as arraché à mon affection le seul homme que j'ai jamais aimé, Guybrush Threepwood. Ah, comme c'est romantique. Bâton en vue! Threepwood? Repêchez-le! Guybrush? Guybrush Threepwood, par mes tripes gangreneuses, j'ignore comment tu as échappé à mon carnaval des damnés, mais tu n'échapperas pas au tranchant de ma lame. Ah! Oh, la péronnelle a du mordant. Jetez-le à la cale, je l'achèverai après la bataille. Larguez les chaloupes. Préparez le boulet vaudou en flammes.